Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un live report express dans Autotask PSA. Prenons par exemple si vous souhaitez avoir la liste des tickets réalisés pour un client. Pour aller dans le live report designer, allez dans le menu report puis live report designer. Live report designer est un module à part qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de construire votre rapport. Si vous le souhaitez, vous pouvez partir d'un des rapports existants en le sélectionnant, puis en faisant une copie à l'aide de cette icône. Vous pourrez ensuite le renommer et l'éditer à votre guise. C'est une bonne façon d'avoir des bases avant de pouvoir travailler. Sinon, vous pouvez aussi partir sur un Express Report en allant sur Plus et Express Report. Avant de commencer, assurez-vous de créer éventuellement des dossiers pour stocker vos rapports. Si vous n'en avez pas, vous pouvez sélectionner ici Add Root Folder. Par exemple, rapport client. Je sélectionne mon dossier, puis je fais plus Express Report. Je vais d'abord nommer mon rapport. Pour éventuellement changer de dossier si besoin, je vais faire Next. Ici, je vais choisir la catégorie. C'est l'élément le plus important à bien choisir quand on fait du reporting. Pour faire du reporting sur des tickets, généralement, vous allez utiliser la catégorie Service Desk, puis Tickets. Chacun des champs que vous voyez là est une table liée. En fonction de ce que vous aurez besoin, vous allez probablement devoir en rajouter. Pour connaître les champs qui sont disponibles dans une table, vous pouvez cliquer sur cette icône ici qui vous affichera les différents champs contenus dans la table en question. Dans ce cas-là, je vais prendre le ticket, la société et son contrat. Sachant qu'à chaque fois que vous voulez filtrer ou afficher un des champs, vous devez que avoir la catégorie dans le rapport. Faites suivant. Ensuite, sorte correspond au classement. Si vous voulez faire les nombres de tickets par client, par exemple, commencez déjà par faire un classement sur le nom du client ou son ID. Ensuite, nous pouvons par exemple faire un classement par date de création des tickets. Passons maintenant à l'onglet Filter qui va vous permettre de filtrer en fonction de différents critères. Si vous souhaitez réaliser un rapport pour un client particulier, mettez le company name comme filter avec Equal To. Quand vous serez là, vous pourrez choisir depuis la liste déroulante à l'exécution le nom du client. Pour avoir systématiquement un des filtres à l'exécution, pour pouvoir le choisir, cochez Prompt for Value. Ainsi, à chaque fois que vous exécuterez le rapport, vous pourrez choisir ce champ. Dans le cas d'un ticket, vous pourriez aussi rajouter des filtres sur, par exemple, la date de création. Vous pourriez dire que la date de création se situe entre le. Et là, utilisez les fonctions FX pour avoir des dates intelligentes. Par exemple, je pourrais dire le premier jour du mois dernier. Donc, je pourrais faire un filtre entre le premier et le dernier jour du mois dernier, ou de l'année, ou du trimestre. Voilà. Si vous avez utilisé ces fonctions, elles seront directement intégrées dans les filtres et seront automatiquement mises à jour à chaque fois que vous exécuterez le rapport. Voilà. Si vous voulez faire des filtres sur certains contrats, par exemple, vous pourriez aussi très bien filtrer sur le nom du contrat ou tout autre critère à votre convenance. Faites ensuite Next. Layout va vous permettre de choisir les colonnes que vous souhaitez afficher. Donc, je vais par exemple afficher
le numéro du ticket. Puis son titre. Sa date de création. J'ai aussi mis le ticket de contact, donc je pourrais très bien mettre comme ça le nom du contact. Éventuellement, je peux rappeler la société si je souhaite, mais sinon je peux très bien faire un regroupement par société ici. Je peux indiquer ce serait après, par exemple, la priorité. Vous pouvez ainsi rajouter n'importe quel champ à votre convenance. Une fois que vous avez les champs qui sont affichés là, vous pouvez les réordonner à partir de là ou avec les flèches. Vous pouvez les supprimer si vous le souhaitez. Comme vous êtes en mode express, vous pouvez à tout moment revenir sur ce rapport, réordonner les colonnes facilement. Dans la partie inférieure, vous avez un aperçu du rapport. Vous pouvez à ce niveau-là changer les intitulés, éventuellement modifier avec ce bouton le formatage des cellules, ajouter des couleurs sur le texte ou le fond, etc. Vous avez aussi déjà des thèmes déjà définis ici. Si vous avez besoin juste vraiment de faire purement un fichier d'export Excel, vous pouvez décocher ici le page header pour avoir vraiment quelque chose de minimaliste pour être retraité dans Excel. Fois que vous êtes là, vous avez globalement fini, vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à gauche pour exécuter le rapport dans le moteur. Quand vous avez fait comme moi, demandé à avoir un total, vous devez choisir sur quel champ le total va se faire. Donc là, par exemple, je pourrais faire un count sur le ticket number pour avoir le nombre de tickets. J'exécute le rapport. Comme j'ai demandé un filtre à l'exécution, il s'affiche. Je vais pouvoir maintenant choisir le nom d'un client. Vous pouvez commencer à taper les premières lettres pour limiter les choix. Sinon, vous pouvez directement cliquer ici pour avoir la liste complète. Faites OK. Maintenant, le rapport est en train de se générer. Donc, pour l'instant, j'ai fait un affichage du rapport directement dans mon navigateur. Mais une fois que vous êtes bien réglé sur votre rapport, vous pouvez directement cliquer ici et le générer en Excel, en PDF, en Word ou en CSV. Voilà, mon rapport est généré. Je peux consulter les infos et puis éventuellement faire des modifications si je le souhaite. Si le rapport ici me plaît, je peux aussi directement ici en faire un export Excel, PDF, Word ou CSV. À chaque fois que vous exécutez le rapport, celui-ci s'enregistre. Voilà. Si vous voulez l'enregistrer sans avoir fait de modification, faites save. Dans les options, vous pouvez choisir différents paramètres par défaut, comme choisir quel sera le type d'export par défaut, si vous voulez que ce soit systématiquement de l'Excel, éventuellement éliminer certaines options, choisir le format de papier, l'orientation, et si vous voulez adapter le rapport à la largeur de la page. Dans le menu Advanced, vous pouvez convertir votre Express Report en Standard Report, qui sont beaucoup plus puissants, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt.